Je me dois toujours de vous rappeler que la description de ce fonctionnement insolite de l'homme, de l'humain, provient dans un premier temps de la rencontre du troisième type, c'est-à-dire avec une soucoupe volante de Jeannine, ma femme, en 1954, et qui m'a translaté de façon inconsciente cette énergie particulière que l'on reçoit lorsque l'on a un tel contact, et qui s'est développé en moi dans des champs de conscience particuliers que j'ai pu mettre en application au niveau des théories ostéopathiques fluidiques. Je pense ainsi que l'on se dirige vers, je dirais, l'homme supramental de Sri Aurobindo, hein, puisque en fait aussi Jeannine était une disciple indirecte de Sri Aurobindo par Ajit Sarka. Donc qui montre les champs de conscience qui nous dominent, qui nous entourent et qui nous amènent vers cette énergie, vers ce cerveau du futur. Donc j'aime bien le concept de supramental que j'associe au cerveau vibratoire quantique, hein, ces différents champs de conscience et d'application bon, qui sont décrits. Donc j'expliquais au cours d'un stage à ce que je vais appeler les prêtresses, ça me fait penser un peu au drôle de dame, eh bien, un petit résumé de ce mécanisme du champ vibratoire quantique, du cerveau vibratoire quantique, etc. Donc à des personnes intéressées, et je ne vous en fais pas. Ici au niveau du sphénoïde, hein, vous rappelez hein, l'énergie source, bon, vous rappelez pas, d'accord, et donc ici ça va commencer à se manifester par une pulsation de sphère, d'accord, et là on est dans le cerveau reptilien, ok. Ensuite cette sphère va commencer à grandir et va prendre la forme d'une protoforme, une première forme du champignon, et après cette forme de champignon va prendre la forme de la méduse, et c'est le mécanisme du CVQ médusa qui va gérer le tout. Ça, je vous l'ai déjà dit, d'accord. Quand on a un blocage, par exemple, psychologique au niveau de dans sa vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, réaliser ses rêves, réaliser ça, ce pourquoi on est fait, on est bloqué de partout, etc., eh bien, on ne va pas pouvoir utiliser son acide pour agir. Donc à ce moment-là, l'acide va se retourner contre nous, va polluer, comme je vous ai dit, va faire du candida, va vous péter le cerveau quelque part. Hein. Ceux qui sont pleins de candida, ils tournent un peu, voilà. Mais nous, dans le CVQ, on le sent bien. C'est-à-dire que vous avez le mécanisme champignon qui reste bloqué. Plutôt qu'il s'expande, enfin, il s'expande vers le haut pour faire activer le CVQ médusa, ben, il va rester là, il va se bloquer ici. Vous voyez, plutôt au niveau du corps calleux. Et ça, c'est embêtant parce qu'à ce moment-là, vous avez une scission entre le cerveau supérieur,
hein, et le cerveau intermédiaire, bon, c'est le cerveau limbique, hein, le cerveau des émotions, le cerveau reptilien, le cerveau des instincts primaires, la prédation et tout ça. Entre les deux, vous savez qu'on a le striatum, c'est-à-dire celui qui nous motive par rapport à une envie. Alors bien entendu, on a beaucoup trop de striatum activé maintenant, hein, pour ça, c'est, les gens en parlent bien, on avait fait aussi une vidéo sur Biotique TV, regardez, hein, striatum, donc c'est important. Mais ce qui est, comment je vais dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un cercle vicieux qui s'installe quand ça n'a pas pu se développer, c'est-à-dire le candidat s'est installé dans l'intestin pour essayer de purger, de nettoyer comme il peut, mais comme le champignon, il n'est pas très doué, il fait des dégâts, après il va percer avec ses filaments, bon, il va rien faire de bien. Et en fait, il va être en regard avec le blocage psychique ici. Donc si vous ne nettoyez pas, si vous n'harmonisez pas, si vous ne mettez pas en route la relation entre le blocage du cerveau champignon, donc en gros le système limbique, vous voyez, les émotions refoulées, quoi, hein, donc le surcroît de stress, etc. Si vous ne le remettez pas en route, ce n'est pas complet. Hein, et si vous remettez un CVQ en route sans nettoyer l'intestin, ce n'est pas complet non plus. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au mécanisme qui se sent bien dans le cerveau. Et juste pour terminer sur ce chapitre du blocage champignon au milieu, c'est très net, hein, maintenant je peux le dire, vous avez deux mécanismes de fonction dans le cerveau, dans le CVQ on va dire, vous avez un mécanisme noir et un mécanisme lumière. Quand vous restez bloqué avec le champignon, et bien c'est le mécanisme noir des pensées qui prend le dessus. C'est-à-dire, en fait, vous pensez, enfin, vous croyez que ça va bien, en fait, vous êtes en train de, en gros, de broyer du noir, je trouve, hein. Donc, c'est ce cerveau-là qui vous gère et qui n'est pas du tout souhaitable parce que vous n'arrivez pas à sortir sur un plus, un mieux, vers la lumière, etc. Donc voilà ce qui se passe quand on a, mal géré son acide, hein, son acide. On dit qu'on est acide, etc. Bon, il y a plein de formules et que ça commence à se gérer le plus tôt possible par l'angle, par les temporaux, vous voyez, qui sont donc au centre du, enfin, comme j'ai expliqué. Donc vous voyez l'importance de travailler ça pour l'équilibre et le bien-être, quoi. Hein, donc vous avez l'outil, hein, c'est gratuit, d'accord. Donc ça, c'est important. Je vais peut-être continuer un petit peu. Donc ça, ce sont les cartes. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, alors par rapport à tout ce qui est marial, hein, vous savez que nous sommes plutôt d'obédience, comme on dit, chrétienne, mais chrétienne des origines, c'est-à-dire qu'on essaye, enfin bon, je suis un petit peu moins quand même, de redécoder les messages bibliques christiques qui ont été sûrement un petit peu trafiqués, vous voyez, pour qu'on n'y comprenne plus rien. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les symboles, hein, tout est symbole, hein, même si on a des Maries qui sont toutes jolies, on a les symboles, donc de Marie, je crois que je me répète, Marie, Vierge noire, qui est la Vierge, ah non, je ne l'ai pas encore dit, qui est la Vierge carbone, et la Vierge lumineuse, qui est la Vierge supérieure. Les deux sont nécessaires. On ne peut pas agir sans carbone. Le carbone, c'est la vie. Donc, on a besoin du carbone. Il ne faut pas que ce soit le carbone qui soit prépondérant dans notre fonctionnement. Donc, dans les Vierges carbone, dans les Vierges noires, eh bien, on a tout le symbole des Vierges noires, dont celui c'est sanctionné par YouTube, je crois, je l'avais dit, dont celui de la Vierge du Puy-en-Velay, qui est une Vierge noire, donc qui nous indique le chemin qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, et Saint-Jacques-de-Compostelle nous ramène à la coquille Saint-Jacques, qui est en fait du calcium, du carbonate de calcium, donc le support de l'énergie lumineuse. Hein, vous savez que l'énergie calcium est le conducteur de l'oxygène dans les tissus blancs, théorie de Perumino. C'est beaucoup, je sais, mais c'est enregistré, et puis, d'accord. Mais il faut le savoir, il faut concentrer, il faut passer l'information. Donc voilà, donc vous voyez que tout ce que les religions, enfin, notamment la religion chrétienne, nous amène comme une sorte de menu qu'on ne comprend pas, ben, en fait, il faut le décoder au niveau biologique. Hein, donc c'est passer du carbone au calcium. Et donc la coquille Saint-Jacques est importante. En plus, la coquille Saint-Jacques, les angles ici, c'est les angles H2O aussi, hein. Donc vous voyez, on revient toujours à ces notions, eh ben, c'est simple, de minéral, de calcium, d'eau, enfin les éléments de base, les minéraux qui nous constituent. J'ai dit que par rapport aux apparitions mariales, notamment la Vierge de Lourdes, j'en ai parlé.
Donc, on remarque souvent que les apparitions apparaissent souvent, enfin oui, apparaissent souvent, se manifestent souvent dans les grottes. Les grottes, une grotte, bien sûr, je pense que vous le savez, c'est l'inverse du menhir. Une grotte, c'est du vide avec du rocher autour. Là, nous sommes avec un rocher avec du vide autour. Donc, c'est important de voir l'alternance entre grotte et menhir. Il y a toujours une source qui jaillit, hein, le symbole de la source, près des apparitions, d'accord ? Donc la source, bah, pour moi, c'est l'angle H2O dessiné dans le crâne. Donc, vous voyez, on revient toujours au crâne. Et puis, vous savez que le Christ a été crucifié sur le mont Golgotha, qui veut dire crâne. Donc, vous voyez, on a toujours des indices. Et moi, j'essaie de les ramener à du concret, hein, quelque chose qu'on puisse palper et non pas faire des prières blabla toute sa vie sans rien comprendre, quoi. Voilà ce que j'essaie de faire. Donc peut-être qu'on va conclure en disant que quand on travaille ça, bon, l'idée, si vous voulez, c'est d'arriver vers le cerveau du futur, le cerveau lumière, les enfants lumière, le cerveau lumière. Et je dirais, hein, c'est quelque chose que si on ne travaille pas ça, on ne peut pas dire c'est une menace, bon. De travailler ça permet de ne pas être prisonnier de son ancien cerveau. Hein, sinon, vous êtes prisonnier de l'ancien cerveau. Hein, comme je vous disais, l'ancien cerveau, c'est probablement celui qui a cumulé 2000 ans de non-nettoyage, si vous voulez, de non-nettoyage du karma. En ce moment, tout le monde nettoie. Hein, il y a énormément de thérapeutes, on nettoie, il y a beaucoup de demandes, on nettoie. C'est comme s'il y avait une demande inconsciente de grande purification. De tout ce qui s'est passé, qu'on n'a pas compris, qui est resté. Alors après, on a les ancêtres, on fait des lignées. Vous savez comment on fait des lignées ancestrales, là, on recherche les ancêtres et tout. Bah oui, inconsciemment, on recherche tout ce qui a bugué dans le passé pour être libéré, quoi. Ah, donc une grande libération nous ramène au symbole encore de la Vierge et de la purification de sa gestation. Hein. D'accord ? Donc voilà, tout ça est encore un symbole. Je pense que le nouveau cerveau, ce cerveau vibratoire quantique qui arrive, eh ben il est déjà décimé, donc il faut l'activer, hein, c'est un peu ce qu'on fait ici, vous l'activez, après il prend le relais, et donc le relais vous amène donc dans la conduction, vous voyez, du chemin, on en parlait à Uzel, à table, le chemin c'est pas ça, jamais c'est ça, ça c'est rigide, ça casse. Le chemin, c'est une ondulation, hein, comme ça, qui avance et qui nous ramène au signe du Verseau. Hein, signe du Verseau. Donc on avance comme ça, donc on est toujours, le ventre s'élargit et puis ça se rétrécit, c'est plus compliqué. Vous voyez, et on revient avec une pulsation qui nous amène comme ça vers le mouvement. Donc voilà le symbole de l'air du Verseau. Voilà ce que le CVQ Médusa, quand on le teste, nous amène, puisque c'est quand même des dimensions hors de l'espace-temps qui nous gouvernent et qui doivent nous amener comme ça à notre insu ou un peu plus. Et voilà la conclusion de cet entretien pour aujourd'hui. Merci, voilà. Merci. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant.